Bonjour YouTube! Et on se retrouve pour la suite de cette arène démoniste. Alors vous allez retrouver bien sûr sur le côté, bon, je sais plus, je sais jamais, peut-être l'autre app, sur le côté, la partie précédente si vous ne l'avez pas vue. Et là, bah, c'est parti, on a fait un petit mulligan. On est à 5-1, ça se passe plutôt bien. Et on a le croc zombie qui arrive d'entrée. Et ça, c'est cool les crocs zombies. Donc comme d'habitude, ici je suis en commentaire d'une partie que j'ai déjà jouée il y a un petit moment d'ailleurs. Et donc dans cette vidéo, on fera deux matchs contre les adversaires. Là j'ai rien à jouer, c'est un petit token et c'est bien dommage qu'on ne pop pas. Est-ce que je trade? Allez, je vais faire le trade. De toute façon le croc zombie il est là pour faire des trades, ça sert à rien d'aller taper deux. De toute façon, on va lui rendre les points de vie. Et voilà exactement ce que j'aurais aimé qu'il fasse, c'est-à-dire ne rien faire. Donc globalement, voilà, on repart à zéro. Est-ce que je pars directement sur le clair? Je pense pas, je pense que je vais juste taper. Et je vais mettre un petit croque-zombie qui fait bien le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Très très bien. On a beaucoup beaucoup d'AOE là encore, c'est fou hein, c'est fou, je dois avoir tellement de sorts, j'ai l'impression que la vidéo d'avant j'ai fait la même remarque, et on a le troisième croc zombie qui arrive, je pense qu'on va directement, voilà, ça c'est, ce sort je l'adore parce qu'il est fait pour le char araignée, ce petit trait de l'ombre, il est calé pour le char araignée, voilà, tu vas faire un char araignée, nous on met ça, voilà, nickel. Deux crocs zombies, on est bien. 2-6, c'est solide. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait installer le tour 4 et mettre un petit taunt. Après, on pourrait booster. Mais booster, ça ne me fait pas optimiser ma mana. Mais dans un premier temps, je pense que je vais plutôt jouer ça. Je vais garder mon tour 4 pour plus tard. Voilà, je préfère poser du board et de regarder mon tour 4 un peu en... sur le côté. C'est un choix. Hein. J'aurais pu clairement jouer le tour 4. J'aurais pu clairement jouer. Ok. Oula, c'est très très faible son tour. C'est ping, c'est très faible. Bon, il reste quand même 4 de mana. Qu'est-ce qu'il nous sort pour 4 de mana? S'il nous sort pas un gros truc, on est vraiment méga bien. S'il nous sort un Yeti, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Faut se le dire, soyons clairs. Soyons clairs. Ok. Ça, c'est pas cool. J'ai pas de silence, donc ça, c'est vraiment pas cool ce qui vient de nous sortir. Je pense qu'on va aux F, en fait. Je pense qu'on va face. Est-ce qu'on mettrait le tour 3? On ferait un tap. En espérant choper peut-être... je crois qu'on a plus de tour 1, techniquement. Ouais, déjà pas mal. S'il doit rester un, hein, il doit rester un diablotin des flammes. Voilà. Est-ce que je fais les trades? Pff, franchement, les trades, ça me coûte très très cher. Très très cher de trade. Je pense qu'on va oser faire les trades en fait. On va mettre ça, on va tap. Et puis voilà quoi, allez feu. On met tout dans la tête. On le met quand même à 15, bon ok. On le met à 25 en fait. Parce qu'on a deux crocs zombies sur le board. Mais n'oublions pas qu'on a quand même... on a le tour 4, l'âme gémissante, qui peut venir faire son petit travail s'il ne vient pas trade les crocs zombies en se disant « Je regagnerai des points de vie plus tard, j'en ai pas besoin. » Après, on est gavé d'AOE dans la main. Donc si il trade toutes nos créatures et puis qu'il reste des créatures à bas PV de ce côté, eh ben, on va se débarrasser de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Quart de givre, ok, donc c'est... Ok, il veut trade, il dépense. Il ne compte pas à la dépense. Ok, ça vient là. Soit. Et il ping le croc zombie. Ping le croc zombie, c'est pas très intelligent. Ok, c'était pour s'en débarrasser. Ok, ça me va. On va lui rin son board. Je pense qu'il n'y a que ça à faire, hein. Ok. Et on se remet bien. Voilà. On se remet bien dans la game, là. On est pas mal. On est bien. Je trouve qu'on est bien, là. Prendre encore les deux AOE. Ça fait un peu beaucoup, ces AOE.
Mais bon, c'est le tarif, hein. On a de quoi piocher. On s'est pas fait trop entamer nos points de vie. On est pas mal. On est bien là. On se met tranquille. Ah, ça c'est moins bien par contre. Ça c'est moins cool. Ça c'est moins cool. Bon, je peux faire le trade avec l'alchimiste, mais c'est pas ouf. Après, je peux faire. Ah, c'est pas ouf mon play là, honnêtement. Est-ce qu'on pourrait faire alchimiste, tour 4 Ah, je joue au cours démoniaque comme ça. S'il passera à 5, je l'empale. Ouais, je comprends pas. Après, je peux envoyer l'alchimiste. Faire un cours de. Voilà, ouais, c'est ce que je pensais faire. Voilà, le trade. Et après, on met le tour 2. On fout au milieu. Et voilà. Bon, là, on n'est pas au top, hein. On a deux Awa dans notre main qui. Bon, en gros, qui sont là quand on n'a pas de board. On n'a pas de démon, donc c'est pas ouf. Après, on peut tape. Ouais, ça va sur la 2-3. Ça va. Ça va. Ça aurait pu aller sur la 4-4, ça aurait été beaucoup plus ennuyeux. Là, faut absolument gagner la joute. Si on gagne la, pas la joute. Oh. Ça, c'est un retourne des games, hein, le maître jouteur. C'est-à-dire, tu gagnes ta partie, tu perds ta partie. C'est presque ça. C'est pour ça que j'aime pas du tout cette carte, j'aime pas du tout la mécanique. Là, on a un bon draw qui arrive. Je pense qu'on va plutôt opter pour le commandant d'argent qui permet de gérer rapidement le maître jouteur d'en face sans qu'il nous fasse trop mal. Allez, on entame, on le met à 18. On est bien. On est bien dans la partie. Il y a pire, il y a mieux. Excusez-moi, je regarde juste un truc. Ok. Ok. Ça fait plaisir. Bon. Ben voilà quoi. Alors, n'hésitez pas, bon, vous le saurez, je me suis mis à streamer, parce que j'ai un petit emplacement, je me suis mis à streamer, je fais quelques petites arènes en stream. Le truc, c'est comme je suis en horaire décalé, bah, c'est je stream la nuit, hein, mais n'hésitez pas, si vers 3-4 heures du matin, vous savez pas quoi faire, bah, venez me voir, je serai sûrement en stream à peu près à cette heure-là, pour regarder sur ma chaîne, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va taper d'abord, quoi qu'il arrive. Oh, le drain de vie qui suffit pas. Je pense qu'on va poser Yeti. On va aussi poser. Et puis on va two face. Fuck. Voilà. Donc là, on lui met la pression. On met beaucoup de pression. En même temps, là, vu notre deck, c'est un peu compliqué de pas mettre la pression. Après, on a des bonnes cartes de late game quand même. On a deux nains, Yeti, un siphonné lame pour armor removal, écraseur, infernal de l'effroi, il nous reste, et un chopper de vent. Et ça, c'est fort. Ce qui vient de sortir, c'est fort. Espérons qu'il chope pas un truc un peu relou. Pardon. Un secret, sûrement. Ok, ça rend des PV. Il gèle. Soit. Et il trade. Oh, le joli play que je vois arriver. Oh, le joli play que je vois arriver. Un petit cours démoniaque. Et un coup d'infernal de l'effroi. On débarrasse la 6-4. On met à portée de 4-4 la 3-5. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ok, on met notre. On va trade, je pense, avec la 4-4. Donc là, on ruine son board, en fait. Globalement, c'est ça. On va d'abord faire le courroux démoniaque, on s'en fout en fait, c'est un démon donc on s'en. Dans certains langages, on dirait on s'en bat les steaks. Ok, j'ai pas fait le courroux démoniaque au final. C'est vrai que ce play était aussi intéressant. J'aurais pu trade, mais j'ai pas envie de trade. Je sais qu'il n'a pas de Flame Strike ou de Blizzard parce qu'il l'aurait joué au tour précédent, c'était vraiment trop fort. Au lieu de ça, il a joué un vieux éclair de givre. Qui était nul, quoi. Enfin, qui avait pas d'intérêt. Ok, donc là, il met tout, il a rien. D'ailleurs, il va faire un petit trade, là, je pense qu'il a pas le choix.
Un trade là. Ok. La chanceuse qui arrive. On va draw. Voile de mort. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il peut ping, sa 2-3 pour en faire une 5 et puis venir me faire un petit trade. C'est pas ouf. Je pense que je vais venir faire des trades là. Cobalement. Après, je peux faire le courroux démoniaque. Non, c'est pas ouf le courroux démoniaque. Non, je vais venir faire le trade là pour piocher, espérant qu'on chope un truc sympatoche. Bah, ça, c'est sympatoche. Ça, c'est très sympatoche. On va le mettre et on va face. Ah non, on va pas face. Bah, oui, c'est vrai. Pour éviter qu'il l'enrage et qu'il vienne me faire des trades sympathiques. Là, je sais qu'il n'y a pas de hard removal, il va falloir la 9-9, il faut la gérer, et puis il faut gérer les deux autres à côté. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Sur un top deck, ça me paraît compliqué. Ok, la grâce de la carte de ce côté, c'est la victoire. JJ, celle-là, elle est bonne. Ça fait 600, et ça, c'est cool. Hein? C'est cool, hein? Vous trouvez? Moi, je trouve aussi. Allez, on s'en fait une seconde. Magie du montage, on arrive directement. Enfin, normalement. Voilà, magie du montage, on arrive directement sur la partie d'après. Donc là, j'accélère au maximum pour la lisibilité de votre côté, comme ça au moins vous voyez les parties et elles sont sympas, et elles sont rapides. Oui, pourquoi rapides? Parce que j'accélère les parties de 20% à peu près, de 20 à 25% à la vitesse des parties. Donc voilà, au lieu de faire des parties de 10 minutes, ben, ça fait des parties de 8 minutes. Donc c'est beaucoup plus sympa à regarder. Et là, on a encore notre petit croc zombie au départ. Et ça, c'est un peu logique. Je vous rappelle qu'on a quand même 3 crocs zombies, un diablotin des flammes. Donc on a 4 cartes. Donc on a 4 chances sur 30. Bon, je fais le calcul, on divise par 4. Après, en gros, on a une chance sur 7 d'avoir le croc zombie en première main. Sauf qu'on en tire 4 fois. Donc c'est à peu près une chance sur 2. Chance sur deux, je pense. Après, une chance sur deux. Non? C'est pas ça? On tire 4 cartes. Sur 30. Bon, je sais pas. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur les probas pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros, c'est des histoires de combinaisons. En gros, on a 3 chances sur. On a 3 chances sur 30 fois. 3 chances sur 29, fois 3 chances sur 28, fois 3 chances sur. Voilà. C'est à peu près la chance qu'on a de toper croque zombie d'entrée. Donc on n'a pas une chance sur 2, non, je dis une connerie hein, quand même. Mais on doit avoir une chance sur 7 dans ces eaux-là. Peut-être même plus que ça. Je vais calculer. Je pense qu'on va trade hein. Et on va installer l'autre. Ok, c'est pas l'entité miroir. Pas entité miroir. Ok, donc il ping pas, il me donne son truc gratos. Donc on va le trade, on va voir si c'est un dupliqué. Au pire, si on duplique ça, c'est cool. C'est une effigie, bon ben on espère que ce sera une mauvaise effigie, qu'on pourra peut-être utiliser quelque chose. Et là c'est ni effigie, ok, si c'est une effigie. Allez, une effigie pourrie, bon, c'est pas la meilleure. On va tap, on va voir ce qui se passe. On va face, je pense. On va face. On s'en fout, on va face. On va face, pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué le removal juste avant. Ok, il avait une torche, donc il n'avait pas d'éclair d'ogive, mais il avait une torche. Bon, bah, soit. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, nous, c'est dommage, on n'a pas de quoi piocher. Alors, soit je joue courroux démoniaque, et puis je joue un petit voile de mort. Soit je pose du board, je pose un tour 3, par exemple. Et c'est pas ouf, parce qu'il va me le trade avec le ping, mais en même temps, s'il trade avec le ping, il met pas de tour 4. Donc ça me rend des points de vie, moi j'en ai besoin pour piocher plus tard. Donc c'est pas dégueu, là ça va. Ça va. On le ralentit quand même pas mal s'il doit ping. Ok, encore, éclair d'ogive. Donc il l'avait. D'entrée de jeu, il avait un éclair d'ogive. Il voulait pas le jouer. Il voulait quand même mettre de la pression. Ok, bon, c'est pas grave. Ce qui serait bien, c'est qu'on chope des tours 5 là. On va tap.
Ou alors on fait ça plus voile de bord, mais c'est ouf, c'est pas terrible. J'avoue que c'est pas terrible. Je pense qu'on va tap. C'est Siniscall Porter, est-ce qu'on le met? Ouais, c'est pas ouf, hein. Je préfère le mecha. Ça lui fait faire le trade et puis 5 ping. Et donc ça lui permet de mettre qu'un tour 3. Et moi, prochain tour, j'ai un vrai tour 6 à mettre. Enfin. Après, j'ai un vrai tour 7. Puis au pire, j'ai de quoi jouer à côté. Donc là, on n'est pas dégueu. Ah, désolé pour les petits bruits à côté, c'est lors de l'enregistrement, je pense qu'il y a eu ça. C'est pas du tout maintenant. Enfin, sauf si vous l'avez pas entendu, dans ce cas-là, c'est moi en direct. Ok. Exactement. Donc il pose qu'un tour 3. Là, s'il y a un tour. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait ce petit courroux démoniaque au final? Petit courroux démoniaque, un petit voile de mort, on se pose un petit Siniscall Porter. Ouais, je pense que c'est bien. Je sais pas si on aura de meilleures occasions de le faire. Donc allons-y. On vérifie bien que c'est pas des démons en face, je veux toujours. Hein. Ce serait la boulette. Donc là, misplay. Un bon petit misplay, ça c'est cool. Toujours, ça fait plaisir. Ça fait plaisir le misplay. Alors pourquoi misplay? Parce que j'étais persuadé que c'était un démon le Siniscall Porter. Là, je pense que je vais prendre plutôt la jeune prêtresse. J'ai pas envie de même mettre plus de points de dégâts que ça. Avec le Diablotin des flammes. Donc je pense que je vais plutôt prendre la jeune prêtresse. Même si ça se fait ping par le mage, au moins ça le. Voilà, bon misplay. Voilà, les boules, je viens de m'en apercevoir. Je me suis dit, t'es un gros boulet. Voilà, au lieu d'avoir une 2-2 sur le board, on a que dalle. Et ça, c'est nul. C'est comme ça qu'on apprend. Comme ça qu'on apprend, on fait attention. Voilà, là, on a arrêté. Ça, c'est pas cool, par contre. Je pense qu'on va être obligé de mettre la 6-6. Je vais peut-être plutôt. Et je vais mettre mon croque-zombie aussi. Peut-être. Je sais pas. Voilà, 6-6 me paraît bonne, quoi qu'il arrive. Et après, peut-être que je vais mettre quand même la jeune prêtresse, histoire de lui donner un PV de plus. Après, je peux mettre le croque-zombie en mode. Viens me trade, quoi. Viens perdre des PV dessus, quoi. Là, ce qui serait bien, c'est qu'il mette une grosse créature, un truc solide. Comme ça, on fait un petit siphonné et on se met très bien. Ok, cône de froid. Ça, c'est pas fou. Ça dépend ce qui sort, mais c'est pas fou. Ok. D'accord. Eh ben, c'est dommage. Ouais. Donc là, je pense que je vais sortir. Globalement, le soin et un petit Yeti tranquille et aussi petit jeune prêtresse. On va foutre le board un peu. Voilà, on prend un flame strike. On n'est pas au fond, pas au fond sur flame strike. J'ai cru que c'était flame strike top deck. Ok, il l'avait, il l'a. Ok, bon, on est un peu au fond quand même, mais on n'est pas catastrophiquement au fond. Ok, on a la petite 6-2 qui est là. En gros, je peux mettre mon tour 6. C'est pas énorme. Après, quoi qu'il arrive, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc, je vais tape. On voit ce qui se passe. Ok, un drain de vie, c'est dommage. Dommage parce que la 6, la 4-2, on peut rien en faire. Donc là, soit je mets mon commandant d'argent et puis je vais venir trade avec, ou alors je mets plutôt le champion. Commandant d'argent me paraît mieux parce que j'ai envie de me régler, tranquille. Voilà, je face parce qu'au pire il fait un sort, il vient soigner. Je pense qu'il en a déjà quand même pas mal utilisé. Ça me paraît un peu chaud de trade, d'accord. Bon, ça va grossir, mais quoi qu'il arrive, ça changera rien. Sûrement un éclair de givre ou quelque chose comme ça qu'il va essayer d'aller chercher, espérant qu'il n'en chope pas. Ou n'importe quoi. Une torche. Un canon lance-flamme. Ok, lui, il face. Sans pitié.
peut faire ça, un drain de vie, et on envoie la 4-2. On règle son board, et nous, on se trouve avec une 6-6. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Après, prochain tour, on pourra faire siphonner plus âme. J'ai mis sente. Ok, je pars pas sur ce play-là. Si. Ok. Ça me paraissait le mieux. Ok. Et voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. Ok, mouton. Donc là, on est moins bien tout de suite. Adversaire qui est pénible. Hein. Pénible, adversaire. Un Gurubashi. Alors, Gurubashi, je pense qu'il va prendre directos le siphonné. C'est clairement une carte que j'ai envie de siphonner. Parce qu'il peut le ping. Et il peut vraiment venir m'emmerder grave. Et un bon petit siphonné là-dessus. Bon, voilà quoi. Petit siphonné. Et puis on va face. Ok. Donc il est à 22. On est à 15. On n'est pas ouf, ouf. Après, on a une main qui est pas nulle. Parce qu'on a quand même le champion. Et si il me ping pas ma 1-1, ben, on a une 2-2. Ok, il a ping. Bon, ça me semblait un peu chaud qu'il la ping pas. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Après 13 des lunes. Ok, ça lui rend 5, 4 points de vie. Bon, c'est. Ok. Ah, bah ça, c'est très bien. C'est très très bien ça. On va y aller, hein. On va faire le trade. Après, je pense qu'on va tap d'abord. On va voir si on peut pas faire mieux. Ok, une chasseuse. Bon. Faire ça, on va faire le trade. Ok, il peut ping maintenant, mais bon, c'est pas grave. On tient, on tient, on tient. On n'est pas au top hein, parce qu'on a que 13 points de vie. Donc, ça, cette partie, elle sent pas très bon. Honnêtement, elle sent pas très bon. Mais on sait jamais. Oh l'erreur! Oh l'erreur de l'adversaire! Oh, c'est la victoire! C'est la victoire, à mon avis, sur ce misplay énorme de l'adversaire qui veut poser du board alors que non. Oh là là. Oh le. On va lui retourner son board. Oh, c'est pas beau ça. Est-ce que je tape? Ouais. Allez, on met ça. On tape pourquoi? Parce que bon, il peut pas vraiment nous tuer hein, à 11. Quand même. Et vaut mieux mettre du board tout de suite pour essayer de le terminer très vite. C'est-à-dire que là, techniquement, j'ai 6, 12, 14. J'ai 14 dans la main. Plus 3 au sol, j'ai 15. Ok, là le Kraken. Donc là, sur boule de feu, on meurt. Donc on est obligé d'aller trade le Kraken. Obligé. Donc 3 et 3, 6 et 2. Voilà, je pense qu'on va être obligé de tout envoyer. On va mettre le croque zombie au sol. Après, on pourrait faire le courroux démoniaque. Ça ferait 2, 3, 4. On enverrait la 3-3 et la 2-2. Ça ferait 5. Courroux démoniaque. Ça permettrait de garder plus de board. J'ai besoin de board en ce moment. Donc je pense qu'on va opter pour le courroux. Pour s'en débarrasser. On va mettre le croque zombie. Est-ce qu'on tape? Ça me paraît un peu risqué hein, quand même de tape. On va pas le faire. Sachant qu'on va pas le faire parce que globalement on a 3 de dégâts dans la flamme infernale et il nous faut au moins 3 points de vie pour pas mourir. Donc là, en gros, on a le kill, même s'il règle. Et voilà, c'est la victoire. Ouh! Le misplay de l'adversaire qui nous a vraiment remis dedans parce qu'on était vraiment pas très très bien. Je vous dis merci, puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ces aventures. Voilà, salut!